Dans cette vidéo, vous allez voir ce qu'est un risque. À la fin de la vidéo, vous saurez différencier le risque, l'aléa et l'enjeu. Et vous allez pouvoir mettre les relations entre ces différents facteurs. Commençons par l'aléa. L'aléa, c'est la probabilité qu'un événement se passe. Par exemple, c'est la probabilité d'avoir du beau temps demain. L'aléa peut être élevé ou faible. L'enjeu. Les enjeux, c'est ce qui est mis en jeu, ce qui va être avantagé ou désavantagé par les aléas. C'est sur quoi les aléas vont avoir une influence. Par exemple, votre tenue de demain. S'il fait beau, vous n'aurez pas la même tenue que s'il pleut. Les enjeux sont caractérisés par une population. Cela peut être une population humaine, une population animale, une population végétale ou encore une partie de population, comme juste les mâles ou juste les femelles. On ne peut parler d'enjeux que par rapport à cette population. Les enjeux peuvent être forts ou faibles. Maintenant, le risque. Le risque, c'est la combinaison, le combo entre l'aléa et l'enjeu. C'est la probabilité qu'un événement se passe par rapport aux conséquences qu'il entraîne sur une population. Un aléa faible et un enjeu faible donnent un risque faible. Un aléa fort et un enjeu faible donne un risque faible. Un aléa faible et un enjeu fort donnent un risque faible. Par contre, un aléa fort et un enjeu fort donnent un risque fort. On va prendre comme l'exemple le risque pour l'homme que le collège où vous êtes et les bâtiments soient détruits par une avalanche. Dans cette situation-là, l'aléa, c'est l'avalanche. À Rouen, vu qu'il neige rarement, l'aléa est faible. L'enjeu doit être considéré par rapport à la population. Ici, c'est par rapport à l'homme. Et donc l'enjeu, c'est les constructions humaines et le collège. Les enjeux ici sont forts parce que le collège, c'est important et qu'en construire un, ça coûte cher. Nous avons donc dans cette situation un aléa faible et un enjeu fort. Le risque est donc faible. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un risque.